I know. Wilanski? Au 12 rue Gallieni. 12 rue Gallieni, dépêchez-vous. C'est qui ce type? Commissaire, vous êtes fou? On est à découvert, on va se faire tirer comme des lapins. Lâchez-moi! Réponds-moi d'abord. C'est un braqueur qui vient de faire hold-up au bureau de poste. On l'a suivi jusqu'ici, il s'est réfugié là-haut. Et qu'est-ce que vous attendez pour aller le chercher? Mais ce type est dangereux! Un grand con, couche-toi comme les autres! Laisse tomber. T'as aucune chance. Tu te couches ou je te remplis de plomb? Tu ne sors pas les mains en l'air, je viens te mettre une balle dans le ventre. Va te faire foutre! Ah
Sale flic. Vas-y, tire, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, tire! Toi, t'as le droit de me descendre. T'as une carte de flic dans la poche. T'es un tueur légalisé. Vas-y, descends-moi! Je te l'avais dit que je te mettrais une balle dans le ventre. Des bottes qui n'ont même pas fait 1000 bornes. Commissaire, faudrait qu'on se mette d'accord sur ce qu'on va mettre dans nos rapports respectifs. Et moi, je suis obligé de notifier tous les détails de l'interpellation, comprenez? Je suis désolé. Je préférais attendre les renforts, mais... la situation était telle, avec ce type extrêmement dangereux qui tirait sur tous les passants. Mais est-ce que tu veux l'entendre rapport? Merci, commissaire. Salut, David. Tu vas bien? J'ai perdu mon numéro de téléphone. Impossible. Je l'ai gravé dans mon cœur. Sale menteur. Hé, hey, David! Oh, hé, hey, David! Viens, David, il faut que je te parle. C'est urgentissime, je t'en jure. Franchement, si tu veux, tu pourrais faire l'effort. Ouais. Pas. Soyez des rayures dans le même sens, non? Je sais pas. Hey, dis-moi, j'ai une merde. Hein. Tu peux pas savoir, ils veulent me révoquer. Quoi? Oui, pour des pécadilles, vraiment des pécadilles. Bah, quelle affaire? Oui, oh, bah, je suis sûr que tu t'en souviens même pas tellement j'étais pas dans le goût. Hein. L'affaire des brasseurs? Ouais, ouais, ce fumier. Tu te rends compte, hein? Il est allé dire au juge qu'il m'avait donné du fric pour que je le laisse filer. Qu'est-ce qui les prend tout à coup? Va-t'en savoir avec cette planche pourrie. Tu parles. Puis alors, le juge d'instruction qui s'occupe de l'affaire, crois-moi, hein, il est pas pour rien. Hein. C'est un rouge. Moi, je te le dis, c'est un rouge. Mais si, il veut la peau d'un flic, n'importe lequel. Moi, par exemple. Hein, c'est lui qui a poussé le receleur à raconter cette salade. Bon, ça va, j'ai compris. Ouais, mais je te dis qu'il veut ma peau. Tu vas voir. Mais enfin, quoi, merde. S'il y avait des diams, si j'en avais touché des diams, il serait bien quelque part, non? Alors qu'on fasse une perquise chez moi. Ça, d'accord. Moi, je veux bien. C'est tout, hein. Mais on n'accuse pas comme ça un mec sans preuve. Dis-moi, Angelo. Ouais. Pourquoi tu t'es monté tout seul? Parce que j'étais avec Tipol sur cette planque. Alors lui, il est resté en couverture, quoi. Des fois que le receleur sortirait. Justement, petit Paul, il a jamais vu le type ressortir de chez lui. Et où tu vas, là? Toi, tu déconnes, non? Hein? Qu'est-ce que c'est, ça, David? Un interrogatoire ou quoi? Merde, alors! Sans blague! Angelo! Oui. Angelo! Allez! Angelo. Je vais certainement être convoqué par ton juge. Si je connais le dossier, je peux te défendre. Ok? Ok, ok. Hey David, on a fait une descente chez un vendeur de copies de caleçons d'hiver fabriqués à Taïwan. Tu veux en essayer? Non, ça va, j'ai ce qu'il me faut. Hey! Demain, si tout se passe bien, on va toucher des Ray-Ban. David, on a retrouvé un Chinois décapité dans le 13e. C'est pas l'habitude des Chinois de laisser traîner leurs cadavres. On n'a pas retrouvé le corps, uniquement la tête. Oui. C'est quoi, ça? Ah, ça, c'est un caleçon. Je l'ai essayé, il était pas à ma taille. Oui. Lorsque vous êtes au courant de l'affaire du Chinois? Ouais, Chang m'a parlé d'une tête retrouvée à Chinatown. C'est incroyable. Un quartier où il ne se passe jamais rien. On a toujours tenu Chinatown, on a toujours eu la communauté chinoise bien en main. Voyez ce que vous pouvez obtenir des stupes à ce sujet. Mais les stupes n'ont jamais pu s'infiltrer dans le milieu asiatique.
Leurs informateurs sont-ils efficaces? Bon, voyez ce que vous pouvez faire. Lansky, allez-y, mollo. Vos méthodes ne sont pas toujours appréciées. Chinatown, c'est pas Pigalle. Merde, ça monte, ça m'a marre à la fin. C'est la troisième pièce que je me fais manger. Voilà. Eh, mais vous avez vu ce que vous avez fait? C'est de la dégradation de matériel, ça. Quiconque aura volontairement détruit ou détérioré un objet d'utilité publique sera puni d'un emprisonnement et d'une amende. Article 434 du Code pénal. C'est qui, toi, ce que j'avais vu ici? Je suis arrivé ce matin. Inspecteur stagiaire Mustapha Belkaïd. Ah, tu m'accompagnes. Excusez-moi, commissaire, mais il est de mon devoir de vous signaler certaines choses, là. Quoi? Qu'est-ce que tu veux me signaler? Depuis que nous sommes partis du bureau, vous avez grillé 2 feux rouges. Vous avez refusé 5 fois la priorité à un véhicule qui venait de la droite. Je vous rappelle que sur la voie sur berge, la vitesse est limitée à 60 km/h. Or, vous rouliez à plus de 160. Nous sommes des fonctionnaires de police, et à cet égard, nous devons respecter le code de la route. Sauf lorsque nous sommes à bord d'un véhicule muni d'un gyrophare bleu et d'un avertisseur 2 tons, ce qui n'est pas le cas sur votre moto, là. C'est tout? Bah oui. Alors, ramène-toi. C'est quoi ici, là? C'est la morgue. Il y a personne? Si. Ça va, Martin? Je cherche le docteur Vignon. Bonjour, commissaire. Docteur, il doit être en chambre froide. Ah, c'est vous, c'est? Ah ouais, je connais. Merci, papa. Pour rester là, je vais le chercher. Tu vas comme ça? Là! Là! Qu'est-ce que tu racontes? Là! Allez, Grignan, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire mon adjoint. Bonjour, Lansky. Non, je m'étais allongé 2 minutes pour faire une petite sieste pendant le boulot. Et puis je me réveille et je vois cet abruti qui pousse des hurlements. Tiens, mets-toi. Bon, alors qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, Grignan. J'ai besoin du moulage des dents des Chinois qu'on a retrouvé dans le 13e. Oui, avec ça, on espère retrouver le dentiste qui a procédé à la pose de ces briques. Et comme ça, on pourra l'identifier. J'avais compris, mon petit gars, ça fait 25 ans que je suis médecin légiste. Alors ici, on n'est pas équipé pour les moulages. Alors je te file la tête du Shintok et tu la portes au laboratoire central de la police. Dis donc, Martin, qu'est-ce que t'en as fait de la tête du Shintok? Je me souviens, c'est moi qui ai dérangé. Oh. J'arrive. Ouais. Mmh. Il est bon, c'est du Red, ça. Comment ça s'appelle? Chaque fois que je veux en acheter, je me rappelle plus le nom. Mescal. Ah, c'est mexicain, ça, non? L'alcool de cactus. Ah ben, ça peut pas faire de mal si c'est fait qu'avec des plantes. Oui, on passe de l'alcool quand même, hein. Oui, bon, ben d'accord, je picole. Mais même si j'ai le bistouri qui décale, je peux pas tuer mon client. Ah, alors, suivez-moi. Oui. On y va. Depuis que je bosse ici, c'est la première fois que je reçois un client chinois. D'habitude, quand ils se butent entre eux, il s'arrange pour faire disparaître le corps. Alors vous aurez de la chance si vous retrouvez ceux qui ont fait le coup. Mâle, environ 35 ans, race asiatique, non identifié. Alors vous me signez ça, puis elle est à vous. Vous pourriez pas me l'envelopper? Mmh.
pas, Denise? Sur mes insomnies. Ça vous dit un peu de roast beef froid? Oh, merci, mais j'ai pas mal bu et je suis fatigué. Vous allez manger un morceau, monsieur Yannick. Mais trop, monsieur David. C'est vrai. Oh, on est bien chez vous. C'est calme. Merci. Ah non, pas le château Roquefort. C'est un cadeau pour vous. Enfin, pour vous et vos amis. À part vous, je n'ai personne. Et je vais boire, moi aussi. Dans ce cas-là, si vous buvez avec moi. Votre travail, ça marche comme vous voulez. Oh, parlons pas de ça. As you can see by these statistics, we have an increase in the sale of heroin in all capitals in Europe, with the exception of Paris. In that city, sales have fallen at 30% over the last 2 years. This regression of the French market is mainly due to the poor quality of the merchandise sold. That's why a punitive measure has been taken against a pink heroin dealer. The man has been eliminated to set an example. With the approval of the Great Council, I shall go to Paris via London to continue to reorganize the French market. And with your support, by the end of the year, we'll reach our objective of 100 kilos of pure heroin pumped each month into the French territory. Nous devons être disponibles pour le service 24 heures sur 24. Et oui, ce sont les événements qui dictent nos horaires. Ces événements qui engendrent nos responsabilités de policiers, responsabilités énormes. Et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Le public ne nous le pardonne jamais. Et il faut savoir qu'au bout d'une enquête longue, difficile, ça fait longtemps que c'est commencé. Une demi-plombe. On ne reçoit pas. On a le droit à tout. Son enfance, ses vocations, ses exploits. On ne mène pas une enquête à l'intuition, mais avec méthode et application, avec sang-froid et courage. Enfin, pour terminer, je souhaite qu'ensemble nous formions une famille vivante en pleine harmonie avec les autres familles de la police, pour n'en former qu'une seule. Ben voyons. Je suis fier d'être confirmé à la tête de l'Office parisien d'intervention et je vous remercie de la confiance que déjà Vous avez arrêté le mec au Reban. T'es déjà au courant? Enfin, voilà. Je souhaite, pour terminer, que nous passions tous autour du buffet que j'ai fait dresser pour fêter cet événement comme il se doit. Quand je pense que j'ai refusé un déjeuner dans le meilleur restaurant italien de Paris pour venir bouffer ces cochonneries. Tout va bien? Lansky, votre équipe, c'est comme les trois mousquetaires. Vous êtes quatre. Et la lune, je sens pas bien ce mec-là, moi. Tu sens bien, toi? Ouais, on s'en blague, hein. Il est pas franc du collier, il est pas ses manières. Je vous parlais d'un boulot, se trimballer avec une tête sous le bras. Pour identifier ce chinois, j'ai été obligé de comparer plus de 2500 moulages dedans entre eux. C'est très bien, faites un très bon boulot, vous. Je savais que ça vous plairait. Et alors?
Bah alors rien, j'ai rien trouvé. Apparemment, ils s'étaient pas fait soigner les dents en France. Mais par contre, au labo de la police, quand ils ont fait l'autopsie, ils ont relevé des traces de drogue sur sa langue. De l'héroïne rose. Lui, il est mort. Lui, il est en tôle. Lui, il exerce à Belleville, mais on n'en tirera rien. C'est un induit des tubes, excusez-moi. Le plus gros dealer d'héroïne rose, c'est lui, là. Ahmed Chaoui. Tu l'as logé? Pas encore, mais tu me laisses la journée, je te le trouve. Je vois pas où vous voulez en venir, Lansky. On enquête sur des Chinois, pas sur des Arabes. Les revendeurs, ce sont les Arabes et les Blacks. Et ce sont les Chinois qui leur fournissent la cam. Elle habite là. Il doit être là, c'est sa bagnole, la BMW grise. Allez, on va le cueillir. Mais on n'a pas le droit! Il est 22h30. Le domicile de toute personne résidant sur le territoire français est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y pénétrer, sauf en cas d'incendie ou de réclamation faite par une personne résidant au dit domicile. Article 74 du Code de procédure pénale. Si on peut pas rentrer, on va le faire sortir. À toi, Mousse. Storm, qu'est-ce que tu fais? Hein? Arrête ta poule, voici l'homme qui a le crâne. Laisse la voiture tranquille. Laisse la voiture. Dis-lui quelque chose. Mais qu'est-ce que je lui dis? Ce que tu veux, n'importe quoi. Trou du cul. Hein? Trou du cul. Plus fort. Trou du cul. Tu vas voir, je suis en train de cuire le crabe. Tiens, c'est pour moi. Les gars, ça y est, il descend, hein. Fils de pute, enculé, ma bâtard. Je vais te planter. Mais c'est pas moi sur ces photos. C'est pas toi, là? Non. Tiens, celle-là, on te voit mieux, là. C'est pas toi, là. Moi, je trouve que là, t'es vachement ressemblant, hein. Écoute, Ahmed, c'est moi qui t'ai filoché plusieurs jours de suite. C'est moi qui les ai prises, ces photos. Je te promets que c'est bien toi que je suivais. Je peux même te dire que tu vas te faire faire de l'acupuncture dans le 13e. Pour arrêter de te piquer, peut-être, hein? Allez, tu nous dis qu'il te fournit ta cam et tout le monde va se coucher. Sinon, on te colle un rapport pour le juge et tu prends le maximum, hein? Il a disparu. Qu'est-ce qu'il nous raconte, là? Explique-toi un peu. Mon fournisseur, je sais pas où le trouver. Mais tu as fini de te foutre de la gueule, oui! Mais merde, je vous dis la vérité! Je sais pas trouver le Shintok! Bon, de quoi vous faites chier! Sois poli, hein! Achète-moi! Il a pas le droit de faire ça! J'ai pas le droit de faire ça, radio de petit mot cartable d'or! Oui, tu sais, je vais le faire ça! Mais là, regarde, et aussi, je crois, lui, me tape la tête, après, il la voit tout où il va, lui, là! Mais c'est vrai, il la cherche, hein, tu l'as pas volé, celle-là! Il se fout de notre gueule, hein! Dis-moi, Ahmed, le Chinois, tu pourrais le reconnaître? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas, moi! Ces mecs-là, ils se ressemblent tous. Et il était petit, jaune, avec des dents en or. Ce serait pas lui, ton fournisseur? J'ai l'impression que tu l'as recollé. Alors, tu nous racontes tout, Ahmed? Hein? Ça s'appelait Rabin. Plus fort, j'ai pas entendu! Oh, Rabin! C'est lui qui fournissait les ruines roses dans toute Belleville! Mais c'était qu'un intermédiaire. Il y avait un autre Chinois au-dessus de lui. Un vieux. Je l'ai rencontré qu'une fois. Je connais pas son nom. Tout ce que je sais, c'est qu'il tient un clan D. Où? Oh, putain. Où est Tolbiac? Bah, tu vois, avec un peu de bonne volonté, hein? Mousse, tu mets tout ça au propre. Hé, hey, en douceur. Bon, vous deux, vous allez vous coucher. Moi, je vais faire un tour à ce clandé. T'es arabe comme moi, toi? Ouais, je suis d'origine marocaine. Ouais, c'est ça. T'es avec eux aussi. Comment ça se fait que t'es flic? Je suis français. Mais avec la tête que j'ai dans la rue, on n'arrêtait pas de me demander mes papiers. Maintenant, les papiers, c'est moi qui les demande.
Alors j'écoute, nom, prénom. Voilà la première table. Où allez-vous, monsieur, s'il vous plaît? Oh, pardon, commissaire, je vous en prie. Boire quelque chose? Bien. Bienvenue, monsieur. C'est un honneur pour moi de vous recevoir dans mon établissement. Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur? Lansky. Commissaire Lansky. Un certain Wabin a eu la mauvaise idée de se faire éclater la tête d'un coup de hache. J'ai appris ça. C'est intolérable. Notre quartier est d'habitude si calme, si tranquille. Il ne s'y passe jamais rien de semblable. Fin des bientôt. J'espère que les meurtriers seront vite arrêtés et châtiés comme ils le méritent. Voulez-vous des jetons pour jouer, monsieur Lansky? Je ne suis pas venu pour jouer. Commissaire, je suis navré. Je n'ai rien à vous dire. Vos supérieurs auraient dû vous avertir que nous avons certaines règles dans notre communauté. Nous avons des coutumes, mais également des accords avec la police française. Nous réglons nos affaires entre nous. Le crime, ce n'est pas une affaire de race, de langue ou de religion. Le crime, c'est une affaire de criminel. Vous serez toujours le bienvenu, monsieur Lansky. Où vous allez? J'ai pas fini. On se calme, commissaire. Je sais que Wabin travaille pour vous. Je sais aussi que vous tenez le marché de la drogue à Chinatown. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez, commissaire. Pour accuser, il faut des preuves. La mort de Wabin, c'est un avertissement. Vous avez de sérieux concurrents. Mais votre pire ennemi, c'est moi. Mais je dois. Rien. T'es tout peur. Je préfère payer.
l'intérieur, c'est hallucinant. Il y a une tuerie épouvantable là-dedans. Il y a des cadavres dans toutes les pièces. C'est l'horreur. Le seul qu'on ait pu identifier, c'est Ming, le propriétaire. Vous avez interrogé, il y a des témoins. Personne n'a rien à dire. Ils sont tous mis comme des câbles, sont sourds, aveugles. C'est simple, personne n'a rien vu, rien entendu. Bon, ça me gonflait, hein. J'ai que vous regardiez. Regardez ce qu'ils ont fait, ces salauds. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez rien vu. Commissaire, il ne faut pas leur en vouloir. Les Chinois ont appris douloureusement que leur meilleure chance de survie consistait à tenir à l'écart des conflits qui agitent les puissants. Qui êtes-vous ? Je suis le rédacteur en chef du journal de la communauté chinoise, Michel Tien. Monsieur Adansky, j'ai besoin de renseignements sur ce massacre. Ce sera difficile, commissaire. Pourtant, les Chinois ont tellement souffert, ils ont tellement travaillé pour s'intégrer dans la société française. Ils en ont assez de ces règlements de compte sanglants. Vous avez peut-être une chance. Ça ne les empêche pas de respecter la loi du silence. C'est un peuple pacifique. Ils sont perdus, sans défense. Ils n'ont pas confiance dans la police française pour les protéger. Et puis, les triades ont un châtiment terrible pour ceux qui les trahissent. Ils leur arrachent la langue. Celui qui parle ne sait pas. Celui qui sait ne parle pas, c'est ça? C'est ça. Ah non, c'est le 756. Toi, ce dont tu parles, ça fait partie de l'article 757 du Code de procédure pénale. Faut pas confondre, mon vieux. Calamos, je bosse vite et bien, je vais te confier une nouvelle mission. Je vous remercie de me faire confiance, commissaire. Tu vas aller voir Ming, c'est le patron d'un clan D. Pas de problème. Et quand je l'ai trouvé, qu'est-ce que je lui demande? Rien, il est mort. Tu le trouveras à la morgue. Ah bon? Tu demandes un rapport de l'autopsie. La morgue, encore? C'est quoi le problème? Ah, pourquoi c'est à moi d'y retourner encore une fois? J'aime pas cet endroit, ça a pu, c'est sinistre. On est tous très occupés ici. Ben, regarde pour ta géo, t'es en plein boulot. On va secouer la communauté chinoise et organiser des descentes. Et par quoi on commence? Tout. Glandés, hôtel de passe, tripots. On embarque tous ceux qui ne seront pas en règle. Un grand coup de pied dans la fourmilière, ça les fera toutes parler. Bonjour, monsieur le maire. Qu'est-ce que vous dites à cette opération coup de poing dans le 13e arrondissement? L'inspecteur Mougin de la brigade des stupéfiants. Alors? Eh ben, suite à la tuerie du clan des Tolbiac, le commissaire Lansky a voulu donner un coup de pied dans la fourmilière. Enfin, pour reprendre son expression. Oui, eh ben, c'est pas le moment, hein? Nous essayons d'avoir des rapports cordiaux avec la communauté chinoise. Les gens commencent à avoir confiance en nous. Cette ingérence policière prend pour eux la forme d'une trahison. Lansky! Encore, sûr. Commissaire Lansky, au nom de tous les élus du 13e arrondissement, je veux vous faire part de notre stupeur et de notre indignation devant la vague d'arrestations qui frappe la communauté asiatique. Nous nous élevons avec véhémence contre ces pratiques policières qui nient le droit qu'a tout citoyen à la sécurité et à la tranquillité. Je suis d'accord. Lansky, vous vous êtes comporté comme le dernier des malfrats. Les lois, elles sont aussi faites pour vous. J'ai demandé officiellement au commissaire divisionnaire Brunois d'interrompre cette opération et de remettre immédiatement en liberté toutes les personnes que vous avez interpellées. Il y a eu un massacre de 17 personnes dans votre arrondissement. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je tourne la tête de l'autre côté comme si j'avais rien vu? Commissaire, vous êtes un irresponsable. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Ce matin, une délégation de la communauté chinoise était dans mon bureau. 10 des principaux notables étaient venus se plaindre à 6 mois des élections. Si on ne fait rien, votre quartier va devenir la plaque tournante du trafic de drogue. Le service de l'inspecteur principal Mougin a obtenu encore récemment d'importants résultats, avec d'autres méthodes. Tout à fait exact, monsieur le maire. Avec les hommes du service des stupéfiants, nous avons procédé à un grand nombre d'interpellations de revendeurs de drogue.
D'ailleurs, la plupart des dealers appréhendés ne sont pas asiatiques. Lansky, je vous ordonne de ne plus mettre les pieds dans le quartier chinois. Commissaire Lansky, vous êtes devenu indésirable dans ce quartier où nous nous efforçons de faire cohabiter dans une entente harmonieuse les Français et les réfugiés asiatiques. Ce n'est pas vous qui détruirez cette harmonie. Pour gagner des voix, vous êtes prêt à laisser ce quartier aux trafiquants de drogue. Pas moi. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu t'es encore sauvé, Brandy, hein? Qu'est-ce qui se passe? Donc Mel, la fille qui travaillait avec moi au clan D, elle a disparu. Je suis sûre qu'elle a été enlevée. Vous en êtes certaine? On partage toutes les deux un petit studio. Je suis sortie faire des courses. Quand je suis rentrée, tout était renversé dans la pièce et Long Mel n'était plus là. Comment avez-vous retrouvé? Le matin du massacre, je vous ai vu parler au journaliste Michel Tienne. J'étais dans la foule. C'est lui qui m'a conseillé de venir vous voir. J'ai peur. Faut m'aider. Je sais plus où aller. Je vous en supplie, aidez-moi. Ici, vous risquez rien. Inspecteur Sébastiani. Il a pu être obtenu du juge que l'affaire du Rössler n'aille pas devant les tribunaux. N'empêche que le conseil de discipline a demandé votre révocation sans indemnité de retraite. Je suis d'accord. Vous ne discutez pas. Pourquoi faire? Ça sert à rien. Puis de toute façon, j'en ai ras-le-bol de la police. Tout le monde tire la couverture à soi, personne ne prend ses patins. Plus on monte haut, plus on peut le constater. Maman, non, je ne peux pas te parler, non, pas tout de suite. Je suis en réunion. Oui, oui, maman, j'essaierai de faire tout mon possible pour ce soir, j'essaierai d'être à l'heure. Oui, maman, bon, au revoir, maman, je t'embrasse, maman. Écoutez, inspecteur, je trouve toute cette histoire navrante. Croyez bien que je le regrette. Il n'y a qu'un type que je regretterai ici. C'est David Lansky. Bon, ben voilà, je crois que nous sommes tout dit. Ça fait 25 piges que je suis flic. Je sais pas, moi, vous auriez pu faire un petit effort, non? Me déforme comme ça, là, pour notre dernière entrevue, non? Oh oui, bon, ça va comme ça, Sébastien. Je pourrais aussi vous répondre que la police n'apprécie pas les moutons noirs.
C'est ce que je dis. Mouton noir. Lâchez-moi immédiatement. Je suis plus dans la police, pour mon pote, je suis plus ce désordre. Alors écoute bien un petit peu. Écoute bien mon conseil. Si tu veux garder ton poste encore quelques mois, t'as intérêt à garder tes appréciations pour toi, hein? Sans quoi mes potes vont t'en faire tellement baver que c'est pas ta petite maman qui pourrait y faire quelque chose. Hein? D'accord? David, je te plains vraiment de bosser avec un tâcheron pareil. Salut les mecs. Salut. Tout le monde se met au travail. Je vous ai fait contacter à Palerme, par l'intermédiaire de nos amis italiens. Je suis vraiment très honoré que le meilleur chimiste de la French Connection accepte mon offre. Il y a plus de 10 ans que je ne suis pas revenu en France. Cette morphine base, monsieur Origio, est de toute première qualité. Elle était produite au Laos, tirée du meilleur opium, du triangle d'or. Nos amis de Hong Kong nous en font parvenir une demi-tonne que vous transformerez en héroïne. Numéro 4, bien sûr. Et où comptez-vous installer le labo? Monsieur Origio, je vous présente Henry L. Tutan, qui est le propriétaire de cette blanchisserie. Il a l'extrême amabilité de nous prêter ce local pour installer notre laboratoire. Ceci est l'endroit que nous mettons à votre disposition, monsieur Origio. Je se vante deux choses. Au cours du chauffage de la morphine base avec l'acétone, si les gaz s'accumulent, l'installation pourrait exploser. Donc il faudrait installer une ventilation. Ensuite, pour le rinçage, il va me falloir beaucoup d'eau. Alors faites vérifier là, les arrivées d'eau. Moi, je veux un four de grande capacité à thermostat. Hein. Marco Perugia. Des séchoirs, des tamis, une pompe à vide, je m'en fous de la marque. Mais je veux du matériel allemand. Pour les produits, procurez-moi des produits chimiques suisses ou allemands. Je veux du noir animal, de l'acétone, de l'alcool, de l'acide tartrique, de l'acide chlorhydrique, du bicarbonate de soude et surtout, surtout, de l'anhydrite sulfureux. Prévoyez l'argent pour ce produit, parce qu'on va en utiliser de grosses quantités. Prévoyez aussi des masques, parce que les vapeurs qui s'exhalent sont extrêmement toxiques. Mais ce sera tout. Un peu le mental du juge hein, qui fait passer la parole d'un voyou avant celle d'un policier qui a quand même 25 ans de carrière et sans aucune preuve, hein, mais rien. En tout cas, c'est un joli bar que tu t'es offert là, Angelo. C'est chouette, hein. Ça te plaît, non? C'est chouette. Mais oh, mais y a rien dans les verres là. Hey. Alors, Chang, en dehors de vos heures de travail, vous louez vos services comme leader? Non, pas du tout. Je donne juste un coup de main au Gélo pour l'ouverture de son bar. Ça mène à tout la police. C'est drôlement bien situé. Il a la grande licence. Pas facile à avoir. Écoutez celui-là, moi. Je vais te sortir. Laisse tomber, Angelo. Allez, allez.
T'as leur jambe. Alors, Belkaïd, tu te plais parmi nous? Pourquoi vous me tutoyez, chef? Comme ça, chef. Tous les autres collègues, vous les vous voyez, et à moi, vous dites-tu, pourquoi? C'est que bon. Tell me what you got to do. Don't you see how much I want you? Every night you put me out. Ça va, Matasio? Ça avance pas vite l'enquête sur les crimes de Shenayton, hein? On pourrait même dire que ça se traîne. Il y a sûrement des flics qui essayent de faire croire qu'ils sont plus forts que les autres. Les histoires de Cam, faut laisser ça aux professionnels. Au stup, par exemple. Allez, Mougin, ça suffit, hein? Fais pas d'histoire, quoi. Hein? Tu bois un coup? Oui? C'est pour inaugurer mon bar. Hein? T'as raison, Angelo, faut fêter ça. Ouais. Il est bon, ton bar. Comment tu te l'es payé? Avec le fric que t'ont filé tes copains les voyous, hein? Tu vois, Mougin, tu m'aurais dit une chose comme ça il y a 15 jours. T'en prenais une en pleine gueule. Et maintenant, je suis plus flic. Je suis patron de bar. Et je me dois d'être aimable avec ma clientèle. Alors, tu bois ton verre, tu te tires, et tu remets plus jamais les pieds ici. T'as compris? Je me fâche pas, Angelo, je plaisante. Mais je me fâche pas, mon petit bonhomme, je me fâche pas. Mais tu m'as placé pour plaisanter là-dessus, parce que quand t'arrêtes un dealer, il y a toujours la moitié des pièces à conviction qui disparaît, hein, dans ton pif. Toi, tes clients, c'est pas dans le vautin mondain qu'on les trouve. C'est dans le fichier du grand banditisme. David, Michel, tiens, je veux te voir tout de suite. Il a quelque chose d'important à te dire. Où est-il? Il attend au journal. Si t'avais été sympa, tu aurais refilé une de tes gagneuses au commissaire Lansky. Ça lui aurait évité d'aller se lever une pute maquée par les Chinois. Oh merde! Commissaire, désolé de vous avoir appelé si tard, mais quelqu'un de très important désire vous voir. Suivez-moi. Bonsoir, commissaire Lansky. Mon nom est Mr. Wang, et je suis vraiment très honoré de faire votre connaissance. J'espère que vous me pardonnerez, mon français est très moyen. Je suis le représentant en France d'une société très importante, société chinoise, dont le siège est en Hong Kong. Nos activités sont internationales, nos intérêts sont dans le monde entier. Et vous comprendrez que tout ce qui concerne la communauté asiatique ne peut nous laisser indifférents. Des événements extrêmement regrettables ont lieu ces derniers temps dans le quartier chinois de Paris. Cette vague de meurtres qui a frappé exclusivement nos compatriotes nous a profondément bouleversés. Voyez-vous, nous sommes opposés par principe à toute forme de violence. Je puis vous garantir que de telles choses ne se reproduiront plus. Comment en êtes-vous si sûr? Notre organisation est très puissante et nous avons beaucoup d'influence sur nos compatriotes. Comme je vous l'ai déjà dit, seuls des Chinois ont été victimes de ces meurtres. C'est donc une affaire interne à la communauté. Mr. Wang, ici, on n'est pas à Hong Kong, on est à Paris. Et ce sont encore les lois françaises qui sont en vigueur. Bien sûr, commissaire. Bien sûr. Et voyez-vous, nous autres Chinois avons une culture très ancienne. Beaucoup plus ancienne que la vôtre. Nous sommes régis depuis des millénaires par des règles que nous respectons tous. Et vous, policiers français, voudriez changer tout cela? Je sais ce que je veux, j'irai jusqu'au bout. Commissaire, combien gagnez-vous? 1000? 2000 dollars, peut-être? Vous voulez m'acheter?
Disons que c'est plutôt une offrande. Je conseille de ne pas insister. Il est extrêmement difficile de communiquer avec vous. Mon boulot, c'est pas de communiquer avec la mafia. Mon boulot, c'est de l'éliminer. Mr. Wong. Comme vous voudrez, Lansky. Non, non, là, je suis pas bien du tout. Je veux pas. C'est pas grave. Vas-y. Bon, j'y vais. Petit coup sec. Ah, bah, tu vois. Pas mal. On répète un peu. Tu me fais goûter. Le journaliste. Oui. Lansky, il faut que je vous parle. Maintenant? Oui, c'est important. Je vous attends au journal. J'espère que cette fois-ci, vous avez compris qu'il ne faut pas vous mêler de nos affaires, Lansky. Thank you.
Chers amis, je suis très content d'être parmi vous ce soir, de connaître la communauté asiatique de Paris. Je souhaite beaucoup de bonheur à ce couple de mariés, bonheur et fidélité. Assassin. Il vient de tuer une des vôtres. C'est aussi un marchand de drogue qui veut pourrir tout Paris avec sa merde. Commissaire, vous risquez gros en agissant comme ça. Je m'en fous ce que je risque, il va me payer la mort de Liu. Mon petit frère ce week-end, mais il a pas eu de peine. Il t'en sert à ce militaire ? Non, il est en tôle. Tiens, mais prends un verre. Ah non, 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 moi je bois jamais d'alcool. Mais si, juste un petit. Ça peut pas te faire de mal ? Hein ? Non, pas trop. Bois qui sec. Et d'abord du sel. Et ensuite, tu prends le citron. Allez, qui sec ? Non, d'abord ça. Qui sec ? Allez. Oh, c'est fort. C'est pour ça que c'est bon. Ah, prends-en un autre. Mais si, allez. Allez. C'est bon, non ? Vas-y. Hey, qui sec ? Une question. Laquelle ? Comment ça se fait que vous soyez devenu flic ? Vous n'avez pas la mentalité d'un policier ? J'en sais rien. On devient pas policier par hasard ? Moi, si. Comment ça ? Là, c'est une partie de billard avec Sébastien. Il y a 20 ans. Lui, il était déjà flic. On a parié. Si je perdais, je rentrais dans la police. C'est la seule partie de billard que j'ai perdue. Ah, c'est pas par vocation, alors ? Pas vraiment, non. T'es déçu ? Non, mais j'aurais jamais imaginé que ça soit passé comme ça. Des frontières nous a prévenu que Riggio, l'ancien chimiste de la French Connection, est arrivé à Paris il y a deux jours en provenance de Rome. Et alors ? Les renseignements généraux l'ont pisté, il est en contact avec Wang. On a essayé de vous joindre toute la nuit, mais on vous a pas trouvé. Alors, on y va. Thank you.
Armand Riggio, né à Marseille en 1923. Première condamnation en 49 pour trafic d'alcool. À la fin des années 60, il est un des grands chimistes de la French Connection. Arrêté en 71 à Montréal, il purge une peine de 10 ans au pénitencier de Saint-Paul. Depuis, il vit retiré au Baléares. Boss, tu vas prendre le bus avec Riggio. Et pourquoi moi encore? Mais les mecs, comment vous faisiez quand j'étais pas là? Ben rien, on faisait rien. On attendait que les voyous se rendent au bureau. Allez, Mousse, tiens, je te prête même un ticket. Il est sympa, ce boss. Ouais, pour un flic, il est sympa, hein. S'est fait repérer. On l'est piégé, il va se méfier maintenant. Regarde, c'est la voiture de Wong. Vas-y, fonce. Le fumier. C'est curieux de faire ça dans une blanchisserie. Ils mettent de la lessive dans leur cam ou quoi?
Qu'est-ce que vous comptez faire? On rentre en force. Ils sont peut-être des dizaines là-dedans et nous on est que 3,5. T'inquiète pas, avec ça on va bien les soigner. Toi tu restes là, si ça tourne mal tu préviens Benoît. Mais il va être fou furieux qu'on l'ait pas mis au courant. On n'a pas le choix, vieux Marseillais t'a repéré. Si on veut un flac, faut agir immédiatement. Ça ne sert à rien de me tuer. Écoutez, ils enverront un autre de Hong Kong pour me remplacer. Et un autre encore si c'est nécessaire. Ça n'aura pas de fin. Il y aura toujours une place pour eux en enfer. J'espère que vous avez une bonne explication à me fournir. Aucune. Me.
Since you don't care about me anymore. There's so many things you should know. Get back into each other's life. Why, woman, now you don't let me be the one. All you do, it's coming down when I knock on your door.